Mais quelle coïncidence! Ah mon Dieu, quelle coïncidence! Mais quelle coïncidence! Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert. Et se trouve au fond du corridor, entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Mais dites-moi pas que ce n'est pas vrai! Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai faits à ses charmes, après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine, je m'enflamme, et alors, je sens, je vais exploser, que je vais. Si, par exemple, un homme entrait, là, maintenant, je me jetterais sur lui avec ardeur, chaleur, douceur. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux, tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Voilà que la nuit est tombée, et derrière les volets baissés, la mère se penche vers son enfant, l'enfant trouve belle sa mère, car il n'a pas d'autre mère. Parle-moi, ravis-moi, n'est-ce pas qu'il est doux d'aimer et de se sentir qu'on vous aime à genoux? D'être deux, d'être seul, et que c'est douce chose de se parler d'amour la nuit quand on repose. Oh, laisse-moi dormir et rêver sur ton sein. Donia seule, mon amour, ma beau. Oh. Chère Elisabeth, nous nous sommes retrouvés. Donald, c'est toi, Darwin. Mais oui,